Let's go. Et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à Sipoils, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez passé un excellent début de semaine en cette dernière ligne droite d'avant les fêtes et d'avant, bien évidemment, le Papa Noël. Alors aujourd'hui, bah, comme vous avez pu le voir sur, les sur l'agenda, attendez, on va juste... à chaque fois, c'est un petit peu chiant, mais ce sera bien sûr normalement on remédiera ce problème là dans la semaine, puisque bon, dans la semaine, comme vous avez pu le voir, le programme est un petit peu particulier, puisque bon, entre l'arrivée de la nouvelle box, de la nouvelle offre Orange, parce que vendredi je suis allé chez Orange, donc ça y est, j'ai souscrit, j'ai résidé chez Bouygues Télécom. Bon, là pour l'instant on est toujours sur Bouygues Télécom, mais Orange est dans les starting blocks, donc cette semaine ce sera, voilà, comme vous avez pu le voir, une semaine un petit peu particulière, puisqu'il y a que des lives sauvages. Comme ça au moins on est sûr de pallier à d'éventuels problèmes, d'éventuelles coupures ou quoi que ce soit. Je ne promets rien, comme ça au moins on est sûr de notre coup, on est sûr de tout. On est sûr de tout, frère. Et comme ça, ça nous permet d'avoir une plus grande liberté, une plus grande amplitude horaire aussi au niveau des lives, que de se cantonner justement à telle heure ou telle heure. Là au moins c'est live sauvage. Attention, j'arrive. Je me suis pris un Doc Elec dans le cul. Et bonsoir Doc, et comment ça va? Donc voilà, donc vendredi j'avais la flemme intersidérale de faire le live. Et puis bon, ce week-end je suis tombé malade, ça se voit sur ma gueule. Donc voilà, c'est formidable. Mais du coup voilà, aujourd'hui bah, on va pas faire du newslock hein, comme tous les lundis, puisque c'est la semaine bizarre, c'est la semaine un petit peu particulière, puisqu'on va osciller bien évidemment avec le changement de box, de forfait internet. Et surtout aussi il va y avoir le changement de setup, où il y aura un changement bien sûr de bureau avec l'amélioration de tout ça. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, un petit peu malade mais ça va. Donc ce soir j'avais envie de faire un petit peu d'Assassin's Creed, vu qu'on ne l'a pas fait vendredi, j'en suis désolé, j'en suis sincèrement désolé. J'avais une flemme intersidérale, mais on va remédier à ce problème là. Donc c'est pour ça que ce soir on va faire de l'Assassin's Creed 3. Et c'est parti, alors bah, bien évidemment en single player. Ah oui, comme j'avais pas lancé le jeu, les installations. C'est vrai, les installations. J'aurais dû à chaque fois. Je me dis putain, faut que je le fasse et je ne le fais pas. Je sais pas pourquoi. DirectX qui est bien évidemment installé sur le PC, installé sur l'ordinateur,
Je sais pas pourquoi, t'as toujours le Ubisoft Connect qui veut dire « Oh bah attends, je vais installer le DirectX !» Non mais mec, ça fait 10 ans que ce jeu existe. T'as pas besoin d'installer des ressources, des ressources obsolètes, des vieilles ressources, quoi. Il va m'installer un pack limite de 2008. Non mais mec, ah voilà, ça y est, c'est bon. Tac. Et c'est parti. On va lancer du coup le jeu. Voilà, c'est parti. C'est bien. Un lancement qui se déroule à peu près sans accroc. Que se passe-t-il? Ça présage une bonne soirée. Cela nous présage une bonne soirée. Assassin's Creed 3. Connexion au serveur Ubisoft. Waouh, les serveurs Ubisoft qui sont fermés depuis maintenant presque 5 ans, si c'est pas plus. Connexion au serveur Ubisoft. Mais attention Ubisoft, j'ai une connexion de merde, je te rappelle. Ah, merci. Alors, est-ce que j'ai du Uplay? Pam pam pam. Alors pour les néophytes, bien sûr, on va continuer la méta-histoire de Desmond Miles. La dernière, la suite, hein, la suite et le dernier chapitre qui, pour moi, vraiment, pour moi, n'aurait jamais dû exister. Clairement. Les VD, ça donne quoi ce nouveau ratio de connexion? Alors je sais pas encore, Doc, je sais pas encore. Malheureusement, on sait pas tout, on sait pas. Hein, la box est toujours là. La box est toujours là. Bouygues Télécom est toujours là. La box est toujours là. Bouygues Télécom, la résiliation n'a pas encore été effective. La demande a été faite. Mais voilà, hein, la nouvelle box est là. Ta ta da da da, ta 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 ta. La box est là, elle est là, elle attend, j'attends le feu vert. Moi j'attends le feu vert, j'attends impatiemment, je ne le cache pas. J'attends impatiemment le feu vert de la part d'Orange. Les gens qui parlent de fin du monde, ah, pardon, on les enferme, ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Fils, il n'avait si aucun but, aucun plan. Arrête de boire des coups. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Allez aux chiottes, les chiottes. Il a été capturé et emprisonné. Voilà, tu vois. Les visseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à quand tu bois trop de shots, tu finis sur une table. On appelle les et tu vois des pommes. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets du coup vacances une semaine ou deux. Bah deux semaines du coup. Je suis en vacances, j'ai deux semaines de vacances. Main d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis, les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires, et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la chance, vie de nos merci. Ancêtres, qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps, mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Aïe aïe aïe, mais si qu'est-ce que c'est, quelle est cette chose? Nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. Serait-ce la fin du monde? Tout se résume à lui, à Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Ça marche, je suis sur mon épisode de One Piece. Ça marche.
Bon épisode. C'est elles qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Eden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Eden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Et il a un bec de lièvre. Bon, y a beaucoup de cinématiques, hein, mais en même temps, on commence le jeu aussi. Nous y voilà. Allons-y. Voilà le jeu, incroyable. Donc voilà, le speech, 21 décembre 2012. Voilà, pour les vieux de la vieille, vous allez vous rappeler bien évidemment de tout ce speech concernant la fin du monde qui était initialement prévu le 21 décembre 2012. Il y a eu des soirées, il y a eu un merchandising de malade sur cette date fatidique. Évidemment, bah qu'est-ce qu'ils ont fait les gars d'Ubisoft? Bon allez les gars, on va tirer la corde jusqu'au bout, comme d'habitude, à faire du 21 décembre 2012, paf! Un machin, un épisode, une continuité de l'aventure de Desmond. Donc voilà, ça a donné la pire fin qui soit pour un personnage vachement charismatique. Parce que Desmond était vachement charismatique. C'est une catastrophe. Et salut le Dante, chais. Ah non, mais voilà, une catastrophe quoi. Vraiment la catastrophe nucléaire quoi. La catastrophe. Oui, mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du 21 décembre 2012. Regarde, 21 décembre 2022. Une date fatidique. La fin de la Côte de Foils. Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier. Sans songer une seule seconde, comment elle en sortirait? Ah oui, c'est la co, la catastrophe, c'est ma co. Mais regardez, le 21 décembre 2022 signera l'arrêt de ma connexion de merde chez Bouygues Télécom. Peut-être, maybe, why not? Ça serait cool, ça serait bien. Mais voilà, 21 décembre 2012. Alors t'as appelé Orange, bah oui. Je crois que cette fois on y est. Mais je dirais même plus, Dante. Il va falloir que j'aille la rechercher encore. Aïe, aïe, aïe. Je dirais même plus. Je me suis rendu en boutique. Je me suis rendu en boutique. Elle est là. Elle attend que ça. Elle attend que ça. Ah, la mise en service. Elle attend que ça, la mise en service. Aïe, aïe, aïe. On dit jamais rien, moi. Ben si, je l'avais mis sur le Didi. J'ai mis sur le Didi, mais là, c'est juste qu'en fait, on attend. On attend, on n'a pas le choix. Il faut attendre. La demande de résiliation a été faite la part de Orange envers Bouygues Télécom. Donc là, maintenant, on attend justement que Bouygues Télécom me coupe la ligne pour que je puisse brancher chez Orange. Donc ça y est, je suis officiellement chez Orange, mais en attente, voilà, en attente de la résiliation effective, du changement effectif, d'où aussi la semaine aléatoire, puisque là vraiment on va passer vraiment une semaine en mode live sauvage
pour justement pallier à d'éventuels problèmes, d'éventuels bugs ou quoi que ce soit. Là au moins on ne sera pas limité sur une plage horaire ou quoi que ce soit. Là au moins que des lives sauvages, et ça me permettra aussi justement de ramener mon nouveau bureau et de mettre en place le nouveau setup de live. Donc ce sera vraiment une semaine productive. Putain, c'est qu'il y a ces histoires de cubes à farmer là. Oh putain. Les films de cubes. Oh zut, c'est reparti mon kiki. Je vous entends ? Oui. Ouais, qu'est-ce que... Oui, je vous entends, allô ? Allô, je vous entends, oui ? Allô ? Dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas moi, vous assurer que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Donc là, déjà, on est quand même sur la génération PS360. Sur la fin, certes, de la génération, mais... Putain, regardez-moi ça. Non, non, c'est bon, j'ai compris. Et je sais ce que je cherche. Oh là, il est vénère, là. Il est vénère. 10 ans 10 ans avant Pokémon Violet Écarlate. 10 ans avant Pokémon Violet Écarlate. Prends ça. Prends ça, Pokémon. Prends ça. C'est elle qui me parle. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est magnifique. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'animus. La PS360. Histoire de m'assurer qu'il n'y a pas. Elle est exceptionnelle, la PS360. Rejoins le marqueur là-bas. Et si je ne veux pas rejoindre le marqueur là-bas? Et si je veux partir? Non, je veux pas y aller. Là. Ah mais oui, maintenez RT, bon, t'inquiète, on connaît les bails, hein. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Oh là là, quelle fluidité de mouvement. En fait, la PS360 était vachement plus... vachement plus puissante qu'un Pokémon Arceus de l'époque. C'est une super console. Hein. Ah, la PS3, Xbox 360, bien sûr. Ah là 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 là, quelle bande de petits trolls. Traverse ce petit parcours d'obstacles, pas de course. T'inquiète, Jeannette. Non, mais elle m'a pris pour un noob ou quoi? Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. D'accord, ok. Ça roule. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers. Et coucou et salut, Popilio, comment ça va? Hop là, voilà. Bon. Jusque là, tout va très bien. Hop. Ça, mais... juste de sauter de l'autre côté. Quel jeu. 10 ans à Pokémon Arceus. Je dirais même plus 11 ans avant Pokémon Arceus, s'il te plaît. C'est ça qui est beau. Ah! On peut même glisser sur les toits.
Vous inquiétez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, si jamais ça coupe, pas d'inquiétude, je relance dans la foulée. Hein. Je surveille, c'est juste Bouygues Télécom qui vit ces derniers instants avec nous. Je vais éviter de trop sortir cette phrase parce qu'elle peut me porter préjudice. On a déjà vu le clip. On a déjà subi quelques préjudices avec cette phrase-là. Cette phrase qu'on appelle le karma. Là, ça y est, on commence à voir l'animus qui se structure. Ça va et toi? Bah écoute, oui, ça va. Malade, mais ça va. Allô? Je veux grimper. Je veux grimper là sur le truc là. Voilà, merci. Voilà, c'est bien comme ça. Donc là, on voit la structure de l'animus. Ça y est, commence vraiment à se structurer, il se synchronise. Attends, on va mettre à l'épreuve leurs dernières heures. Ah le bâtard. Non! Aïe aïe aïe. Ça sent le flan, c'est dégueulasse. Quoi? C'est quelqu'un qui mange de la coriandre qui dit ça quoi? Ah, coriandre c'est dégueulasse. Comment le flan, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord. Juste pour tester un SO pif. Tu pourras mettre des flancs. Pas la tête. RIP, alors ça oscille entre les zéros, mais ça va. Les flancs, je les gobe. Voilà, c'est zéro. Alors ok, ça j'ai jamais trop compris parce que c'est rigolo. Ouais, ça oscille, là ça coupe pas. Y a pas une vraie coupure, c'est pas une vraie coupure. Là c'est juste la coupure de... Y a une bande passante qui arrive, j'arrive pas à suivre. Ouais c'est bon, voilà, là ça y est, le chiffre revient. Ça oscille, ça revient, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Je viens de créer 3 minutes de décalage sur le stream. Bravo, bravo Dante. Bravo. Félicitations. Voilà, tu as tout fait bugger. Ça va, c'est pas coupé, donc ça va, c'est cool. La synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. Ah, voilà, ça y est. Que ce temple attend toi. Oh là là. Mission accomplie. Voilà la synchronisation. C'est vrai que là, au niveau de la synchronisation, c'est vrai que c'est joli. C'est beaucoup mieux qu'une connexion chez Bouygues Télécom. Et vous imaginez quand même, c'est 10 ans avant Pokémon Violet Écarlate. 10 ans avant Pokémon Violet Écarlate. Ah, ça, attendez. Oui, sœur, oui. Oui. Tout va bien, sœur ? Oui, ça va. Tout va bien. Ça va, tout. Je réfléchissais, rien de plus. Ouais, ouais, non, bah, c'était nous juste la connexion de Bouygues Télécom. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vos heures sont terminées ? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas, je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends tout de suite. Et disons que cet opus d'Assassin's Creed, au niveau du lore, au niveau de l'histoire, c'est là où ça marque vraiment le tournant. Au niveau du lore, au niveau de tout ce qui va suivre dans la série Assassin's Creed. Donc là, avec les Kenway, là, c'est l'intégration des Kenway. C'est vraiment ce qui va marquer un tournant dans la série des Assassin's Creed. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? C'est quelque chose qui va complètement changer. Mesdames et messieurs, attendez, on va la refaire. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place afin d'assister à ce magnifique live tout pixelisé, tout bugué de Fouache VD. Oh oui, on y va. Oh, oh oui, allez, prenons place, vite. Oh super, il y a fois celui qui fait live. Oh, c'est les derniers instants de Bouygues Télécom. Oh. Allez-y, prenez place, venez. Dante va lâcher son plus beau SO. Allez, venez. Bonsoir, monsieur. Par ici. Oh, regardez toute cette populace qui vient regarder le stream. Oh, incroyable.
Allez-y. Oh là là, il y a Dante qui vient de placer le bonhomme. Oh pardon, pardon Poupilet, pardon. Pardon, excusez-moi monsieur Dekelec. Oups, Ceci, excusez-moi. Hulda, pardon. Hop là, excusez-moi. Voilà, je m'installe. Voilà. Ah. Bonsoir, Etam. Bonsoir, Carapuce Blue. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue ? Une fois, mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le plaisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu ? Le vois-tu ? Mon cul ! L'as-tu déjà vu ? Mon cul ! oh là là, incroyable. Oh, la cible en or, elle est là-bas. Oh là là, wouh. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Ouais, trouver un endroit isolé pour grimper. Hop là, hop, excusez-moi, pardon. Pardon, pardonnez-moi Didou. Hop là, monsieur kangourou énervé, restez à votre place s'il vous plaît. Là, je m'en vais, je vais aux toilettes. Pipiripipi, hop. Ah, il faut longer. Bonjour, oh, regardez tous ces spectateurs de Walls. Il y en a même qui se bécotent devant le stream. Sacrilège. Oh là là. Allô ? Il faut grimper encore plus. Il faut grimper encore plus haut. Ouais. Voilà, il y en a qui dorment devant le stream. Regardez-moi tous ces lurks. Là, il y a même des bots aussi. Les bots qui regardent. Les viewer bots. Hop, salut Wisebot. On vient de le croiser là. On vient de croiser Wisebot. Hop, hop. Ouais, rendez-vous en coulisses. Crochetons la serrure. C'est le bureau de Bouygues Télécom. C'est le placard fibre. Orientez-L pour situer et maintenir l'angle de tension. Hop là, ça y est, on a ouvert le placard fibre. Le placard fibre qui n'existe pas encore d'ailleurs. Alors. Oh, regardez les coulisses du stream. Voilà. Ah! On a failli voir les slopes de Foils. L'opéra des gueux. Oh, c'est l'opéra des gueux. À bonne santé les gueux. Putain, j'ai crevé. Oh merde. On peut pas voir l'opéra des gueux. Ah. Oh, c'est l'opéra des gueux. Merde. C'est l'opéra des gueux. Oh! Hop là! On va grimper. Oh là là, quel opéra! L'opéra des gueux! Tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que
J'en suis navré. Moi aussi. Ah bah là, le QTE. Oh oh. Attendez, ça sonne chez moi depuis tout à l'heure là, ça sonne. Sérieux les gens ? J'ai entendu l'interphone sonner, j'ai dit quoi ? Pourtant, ah non, j'ai pas de... Ma foi ! Allez, let's go ! J'sais pas, j'ai l'impression que ça sonnait. Allez, quittons l'opéra. Opéra rock. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il ? Cet homme, emparez-vous de lui ! Oh oh ! Il y a bagarre ! Et bonsoir Emira, comment ça va ? Oh là, le bordel ! Je vous demande pardon. Auriez-vous remarqué ? Que grâce, ne poussez pas ! Allez, poussez-vous les gueux ! Allez, barrez-vous là ! Barrez-vous les gueux. Ça et toi ? Bah écoute, ça va hein. Ah bah ça va. Ça s'est passé là, dans cette loge. Oh mais que s'est-il passé ? Oh mais il s'est passé un truc. Du calme, gardez votre calme. Bah non, on va pas garder son calme. Non. Dégagez, dégagez. Oh la vache. C'est lui, il court. Quel escroc. Ah quelle ordure. Allez chef. Où allez-vous? Allez hop là, tu vas te faire gauler. Allez, va te faire branler. Oh là là, mais que se passe-t-il? Oh là là, quelle foule. Quelle foule, regardez. Regardez, les viewers sont complètement dans le flou, mais que se passe-t-il? Mon dieu, moi je n'est plus là. Ah, la connexion a lâché, mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il va revenir? Calmez-vous, bon sang, calmez-vous. Il va revenir. Oh là là, mon dieu, quel désarroi. Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme. Ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ses précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux.
Enfin, les mecs ils s'en battent les couilles, ils sont en réunion, ils s'en battent les couilles. S'il devait nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle. Ah, monsieur Harrison. Messieurs, qu'ont donc révélé vos calculs? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Et si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Waouh! Incroyable, mission accomplie à 100% évidemment. Synchronisation totale, pas comme Bouygues Télécom. Oh, ces graphismes, magnifique, hein! Large me fera du bien. Et oui, c'était aussi le premier opus où justement ils avaient instauré les phases en bateau. Les phases en bateau qui étaient assez quand même révolutionnaires pour cette époque. C'était quand même une sacrée claque. Même si pour moi les contrôles étaient un petit peu hasardeux. C'était vraiment le prélude à justement à Assassin's Creed. Merde, je m'en rappelle plus. Black Flag, voilà. On pouvait leur parler aussi. Mes amitiés. Une question, si vous le permettez. Servez-vous à bord de ce bateau ou êtes-vous un simple passager? Un peu des deux, à dire vrai. La Marine Royale m'a chargé d'étudier les maladies en mer. Et je vais observer l'équipage durant le voyage. Nous avons découvert que les marins se portent mieux que nous autres, une fois en haute mer. J'espère découvrir pourquoi. Puissent vos recherches être couronnées de succès. Certes. Merci pour vos encouragements. Ah mais de rien. Après, c'est pas obligatoire ce genre de choses. Ce qu'on fait, c'est pas obligatoire, mais je crois qu'à un moment donné, ils vont nous demander justement de parler aux gens à bord. Je vous parle un instant. Ah, un autre londonien. Ravi de constater que je ne suis pas le seul gentilhomme à bord. Rupert Martin, enchanté. Etam Kenway. Mes hommages. Il semble que nous quittions la ville au bon moment. Ah. N'avez-vous pas entendu parler du meurtre à l'opéra? Non. Que s'est-il passé? Ils essaient toujours de tirer cela au clair, mais nous ne sommes pas prêts d'apprendre la vérité. Sait-on pourquoi l'homme est mort? Bizarre. Ils ont écarté le vol. Peut-être est-ce une relation d'affaires qui a mal tourné? Ou un mobile plus personnel, plus sombre, qui sait. Mais je suis heureux de laisser cela derrière moi. Londres devient chaque jour plus dangereuse. Bizarre. Très très bizarre. Il s'est passé des choses. Oh oh. Allez, on va accélérer un petit peu la marche. Et on peut jouer aussi. Bon, ça sur les autres pubs, on pouvait jouer. Mais là, c'est des jeux un petit peu space. Hein. Voilà, le Fanorona. Plateau du 9. Déplaçant vers elle, on se dit, lorsque une pièce est prise, c'est bien servi, c'est moins de d'accord, bon, ouais, allez, c'est parti. On va essayer.
Je veux aller là. Bon, on est obligé d'aller là, ok. C'est un peu... Moi, j'aime pas trop ce genre de jeu, c'est un peu... C'est un petit peu redondant, je trouve, ce genre de jeu. En plus, je joue au pif au mètre carré. Là, c'est que je peux pas faire de déplacement. Là. Donc, c'est juste en diagonale, en fait. Il joue deux fois, le tricheur. Mais ça suffit. On va aller faire ça, ça. Ah, je peux pas la déplacer deux fois. Mais je veux jouer. Salaud. Bon, allez, hop là. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, ça m'a saoulé. Ah, c'est bon, ton jeu, il m'a saoulé la gueule. Allez. On va passer au scénario. Quoi? Ouais. D'accord. D'accord, donc un balai qui se tient debout tout seul, c'est normal. Et ensuite, tout se passera bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non, mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Dégagez de baston offert pour les piques. Oui, j'ai récupéré. Les Soviets n'ont pas leur place. Ah, ou non, celui-là, j'ai pas récupéré. Je vous l'accorde. Vous êtes les... Oh, les antins, hein. Voyons si tu trouves ça trop. Ça suffit, Greg. T'en mêles pas, toi. Hop là, fais que des parades. Ouais, c'est que des parades, d'accord. Achève-moi ce pantin. Alors je reste, je maintiens B. Je sais pas ce qu'il faut exactement en parade. Je sais pas ce qu'ils attendent de moi hein, vraiment en parade. Moi j'aimerais lui péter la gueule, clairement. Maintenant B enfoncé. Bah c'est ce que je fais en fait. Ah voilà. Ah merci. Enfin je peux l'attaquer. Eh bégare. Qu'est-ce qu'il qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va les gars, ça suffit. C'est capitaine de quoi? Qu'il aille au diable le capitaine. Et toi aussi Emile, t'es dans quel camp pour tout ça? Voilà. Mais bagarre! Viens là, je suis prêt à remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Ah,
Et bam, hop là. Petite technique de catch là. Jamais. Oh les bagues, oh les salauds. Toujours aussi sûr de toi. Que se passe-t-il ici? Oh le bâtard. Capitaine, j'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal, on s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paye? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Au grand calme. Bon alors. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Ah. Comment vous êtes... Ah non, j'allais dire, la barre, elle bouge toute seule. Cible et cruelle. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher. J'ai mangé des bisous, ça marche, des bisous, bon appétit. Fort bien. Hop là. On boit un petit coup dans ton verre là. On va mener une enquête. Retourne à votre cabine pour terminer la journée. Ça roule. Et retournons dans la cabine. Monsieur Kenway. Capitaine. Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Allez. On va chercher les fauteurs de troubles. Enquêter sur l'équipage. Non, il va falloir qu'on mène notre enquête. Messieurs! Tu cherches encore la bagarre, c'est ça? Laissez-moi. D'accord, bon, ils sont pas très parleurs. Mon brave, quoi? J'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. Puis j'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Alors toi, tu veux jouer, même pas en rêve. Quoi, petit vous jeune. Vous avez bien corrigé, Graves.
Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Et Tam Kenway. Alors, devrais-je surveiller mes arrières? Les gants ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu... rudes. Ah. Le capitaine rogne sur les rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. L'équipage a les nerfs à vif. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il traite ses hommes. Oh. Encore une info chat. Et toi, est-ce que tu as une info chat? J'ai rien à vous dire, moi. D'accord, merci. Merci pour l'info chat. Ok, d'accord. Bon, bah, next alors. Monsieur Cuisto. Pas de service avant 2h. J'ai quelques biscuits sous la main si vous mourrez de faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre? Certains hommes ont-ils un comportement étrange? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabituels? Les matelots se plaignent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tout. Et où puis-je le trouver? Il est juste derrière vous, le gars assis sur le tonneau. Alors, James. Êtes-vous James? Ouais. Et Tam Kenway, ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Est-ce que vous voulez savoir? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Mills a tenté de les calmer, mais... c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Oh, 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 oh. Ah, sans la merguez. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi? Oh, les barils à l'eau. Qu'est-ce que ce bordel? Qu'est tout ce bordel? Attends, on va référer au capitaine. Capitaine! Quel bordel! Vous devez découvrir ce qu'il met. Vos hommes n'aiment guère parler, mais je fais de mon mieux. Ne traînez pas! D'accord. Oh merde. Je le trouve louche. Il garde toujours son chapeau. Et encore est une ovation. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'empiffre d'agneau et de vin. Alors qu'on est content de biscuits et de poissons salés. Quelqu'un doit aller. Un tonneau où il y a marqué X. Analysons l'indice. De la poudre.
On a encore un dialogue. On va aller dialoguer. Quoi ? Vous avez bien corrigé, Graves et Quill. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre. Ah oh bon, on l'a déjà vu. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Ah, on l'a déjà vu. On avait déjà vu celle-là. Alors, on n'a plus rien sur le pont, on n'a plus rien en dessous. Okay. Allez, on va retourner dans la cabine. Oh, cette mer, océan Atlantique, jour 33. Hey ! Voilà, regardez-moi ces graphismes. Du nouveau ? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça? À mon avis, ces barils servent de repère. Et ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue! Il se prépare à faire peur! Bah comme par hasard, bah tiens. Tout le monde à son poste! Armez-les! Attention! Touchez-vous! Touchez-vous! Semences. Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder. Tous aux pièces, au poste de combat. Descendez au pont inférieur. Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez créer une voile, charger un canon, vous battre en mer? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Fermez les coutilles! Ethan. Êtes-vous monté sur le pont? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? C'est donc de cela qu'il s'agit. Oh la vache. Et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi? Oh la vache. La gueule un petit peu insipide des personnages, mais bon. On va dire. On nous a. Alors ils ont 10, pardon, pas 12, mais 10. On va accuser le coup. On va dire que... Ok. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre. Et Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie. Il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent? Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Ah, c'était un sacré combat.
On est sur la phase hashtag tuto, hein, dont il y a beaucoup de cinématiques. Je vous avais dit que c'était de la folie. Je vais me charger de votre voile. Il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de... Sécurisons les gréements. Ah, c'est quand même impressionnant. Hein. C'est beau. Tempête. Sécurisons les gréements, vite. Quelle tempête. Qui pue qui pète. Oh non. On peut le faire avec classe. Ouais, on va le faire avec classe. On a la classe. Déployez la voile depuis la vergue. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Ah, ok. D'accord. Vite, on va sauver James. Waouh, la classe. Voilà, le bateau coule. L'abeille coule. Alors, retrouvez le capitaine à la proue. Allez, on va aller le retrouver. Oh putain, j'ai vu un pull à Célio. Putain, il va falloir que je l'achète. C'est un pull un peu noir, là. Avec le personnage du Monopoly et des sacs de sous. Et a marqué « Need the Moula ». Putain, c'est génial. C'est la collection FOILSVD automne-hiver. C'est génial. Ça va être la mascotte de la chaîne. « Need the Moula ». C'est génial. Préparez-vous à accoster, matelot. Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Oh, mieux comique, lui. Pas de terre. Allez, on va grimper. Grimpons au mât. Eh oui, prenons de la hauteur. Pour ne plus avoir le brouillard.
Boston 1754. Là, ceci était déjà âgé. Master Kenway. Oui, que puis-je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Serais-tu le fils de John et d'Isabella? Je vais à peine arriver. Tranquille, Charles Lee. Tu es affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Et je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée... J'ai pensé que... Allez, allez, pars. Pardonnez-moi, monsieur. J'espérais... Qu'est-ce qu'il fait, ce Benji, là, à côté? Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur que toi. Tu es bien gentil, mais je crains que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Par ici. Oh là là... Oh, il a volé une pomme! Les troupes britanniques régulières. Putain, j'arrive plus à parler. Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, des opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Bah oui, il faut que je fasse des achats. Trouver un magasin général, pas besoin d'afficher la carte puisqu'il est gêné. Oh, le Benji qui... Benji qui change d'habit. D'accord, ça change d'apparence, ça change d'habit comme ça, dans le plus grand des calmes. Ah mais dégagez là, les marmots là. Pardon. Ah. Oh quoi? Bonjour. Pardon. Oh la vache. Ah ouais non, le PNJ c'était pour jouer. On s'en fout quoi. Cette satanée ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach. Mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Ethan Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique là-bas. Bon, y a un sacré coup de vent quand même. Hein. Bon. Une rencontre intéressante. Enfin, les drapeaux. Oh, regardez-moi les drapeaux. Ah, les drapeaux. Ah, trop de vent. Bon, dis donc, c'est un petit peu bizarre à Boston. Je sais pas qu'il y avait ce vent. Quoi. Dans le devant. Quoi. Juste les drapeaux, parce qu'après les voiles. Hop là, ça. C'est putain le drapeau. Ah. Wow, tranquille. Qu'est-ce que c'est? Acheter une épée et un pistolet. Bah, j'ai de la moula, donc je vais pouvoir acheter une épée normale et un pistolet normal. Voilà, un pistolet à pierre. On t'a cheval et suivez Charles Z au Green Dragon. Allez hop là, montons à cheval. Nous allons au Green Dragon, une taverne. Ses propriétaires sont excentriques, mais discrets. Et leurs chambres sont grandes. T'as-t-on appris la raison de ma présence à Boston? Non,
Master Burke m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois. Allez, mais dégagez les gueux. Poussez-vous. Pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet? Fort peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Alors on va se mettre quand même à proximité, parce que sinon c'est pas très RP. Vous voyez, dégagez les gueux. Oh, il y a même la sève dans la rue. Incroyable. Salut la sève. Le bâtard. Oh, oh, il y a des sèves partout. Salut la sève. Oh là là. Ah mais c'était une page... Oh ouais, d'accord, j'ai la tête dans le cul littéralement. Non. Non mais je veux partir là. Là là, il y a une page d'Almana là. Où est-elle? Je vais récupérer la page. Mais non. Où est-elle? Je crois qu'elle a disparu. Ouais, qu'elle a disparu. Ouais, elle a disparu, merde. Bon, après, ça réapparaît, donc ça va, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Aïe. Aïe, le cheval, ça suffit. Je suis là, monsieur Charles Lee. Toc toc, ouvrons la porte. Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. Oh, pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Vous voulez à manger, à boire peut-être? Ou peut-être bien un lit? Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui, bien sûr. Messieurs Lee et Kenway, c'est ça? Je vais monter vos sacs. Je vais monter vos sacs. Allez, bobonne. Aurez-vous besoin d'autre chose? Non, qu'on nous laisse. Oh, foutez-nous la paix. Il marche un peu en canard là, Charlie. Je crois qu'il a mal au cul. Il me semble. Alors, lui était debout. Et s'est rassis. William Johnson. Sir, William Johnson. Enchanté. Un bon gars, encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris? Mon associé, Thomas Hickey, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les Thomas langues. Hickey, mais bien, qui? Mais c'est qui? C'est qui ce je Thomas? Je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles. Sir. Nous devons partir. Bien sûr. C'est quand il dit sœur, j'ai l'impression qu'ils y feurent. Oh merde. Oh là là, Thomas Siki. Mais c'est qui ce Thomas là? On pouvait parler, merde, tant pis, c'est pas grave. Interagissons avec la porte. Oh. Et des PNJ qui pop, incroyable. D'accord, on se téléporte là, de suite, mode YOLO. Bonjour, c'est vous, Thomas Hickey? Miss Hickey, ce Thomas. Thomas Hickey? Qui le demande? Etam Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie, afin que nous puissions hâter vos recherches. Y a rien besoin de hâter. Et puis ravaler votre beau parler de Londres, Milord.
J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir ? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. J'écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Ok. Prenez position. Mais attendez. Bon, normal. Hein. Ça, ça fait pas trop de bruit. Le cadavre est complètement buggé. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai rechargé. Non, je veux descendre. Non, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fouiller. Voilà, je vais récupérer des objets, je vais récupérer de la moula. Et là, normalement, on avait aussi une nouvelle feature intéressante. Voilà, on avait la possibilité. On avait la possibilité de se mettre en mode furtif. Merde. Merde, mais je veux pas la lâcher, je vais la ramasser. Voilà, là, je peux pas les... je peux pas les lock. Partez avant qu'on se mette en colère. Oh là 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 là. Oh, quelle merde. Là, c'est moi qui vais me mettre en colère là. Et vous, fichez le camp. Et vous, fichez le camp. Non, je veux. Voilà. Partez avant que vous me mettez en colère. Ah mais c'est un gag. Partez. Appuyez sur RB pour recharger. Mais je veux bien recharger, banane. Banane à la fraise. Je dis recharger. Bah voilà, bah effet de surprise. Je peux pas être tué avec des armes. Il veut pas sortir son arme. Oh, ça commence bien. Oh là là. D'accord. Voilà, tiens, vas-y, hop là, dans ton fiac. En arrière. Repliez-vous, abritez-vous à l'intérieur. Et maintenant, nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus. Ah moi je veux bien, mais voilà. Voilà, donc là, ça y est, il a rechargé. Incroyable. Là-dedans. J'ai tué personne. Nul. Posez vos armes et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Je m'impatiente. Moi aussi. Alors juste, je regardais un truc, j'ai plus le retour. Que se passe-t-il sur mon retour? Voilà.
je puisse voir si ça marche ou pas. C'est bon. Parfait. Mais non ! Mais je veux le tuer avec le fusil ! Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour